Comment nous y est, Alissa cuisine en cas là pour nous voir une autre vidéo. Je veux dire, on va porter manger avec un jus pour nous. Pour que le monde qui fait anémie, montrez nous que j'ai pour nous faire manger et puis ma pêche, j'aime quoi ma pêche avant pour nous. Si on a besoin d'épinards, soit il y a tout épinards, bon épinards, épinards violettes là, whatever, ça rejoint là. On a besoin de carottes, céleri, betteraves. So, juste ça bon puis les puis gen cresson tout ka mettre cresson bot gen cresson moi pas mettre cresson parce que nan manger m'pa préparer m'a fait une fois so m'a mettre le bon côté le temps son salade pour nous manger so so anémie bagage ça vraiment bon pour même si tu as fait une fois dans moi deux fois dans moi la bon pour la bon en pile so m'a on le m'a fait épinards parce que ils sont fait liés ça m'a fait m'a mettre li dans usin et puis m'a mettre en carotte bon céleri pour ka faire le bail tout jus pour pas gaspiller so si vous sont monde qui koto yo en Haïti ou ka pas gain pas tant que l'a fait les balai courant so so ka faire ou ka mettre tout dans blender OK bagay yo et puis ou laisse blender le couler le bot sous ta gain jus c'est la pi bon parce que ou pas nan mettre de l'eau là dedans parce que l'on mette dans blender faut mettre de l'eau pour ka blender so ça ou pas besoin mettre de l'eau ça me fait là moi mettre épinards et puis moi mettre une carotte et puis avec un céleri pour me faire de l'eau pour me faire tout jus épinards à couler là dedans t'as là moi montrer nous qui ça me préparer avec tant que manger ça ou boire ça so li vraiment bon et puis même l'en panier tout sous tout tant que gè côté sous ta gè le ka mettre un petit mien là dans tout petit là juste a vraiment bon on fois dans semaine on fois dans mois bwel la bon pour tout son enceinte tout connait c'est monde qui fait anémie ou ta supposé faire ça chaque mois I mean chaque semaine ou bien ou deux fois trois fois dans mois ça c'est tout ingrédient tu as besoin carotte céleri en épinards this juice is good for people who anemia. So if you suffer from anemia, you can make that juice as carrot, beets, spinach, celery. You can add a watercress, but I'm gonna eat it as a the meal that I'm gonna prepare. I'm gonna use it as a side dish. So feel free to add watercress if you want to. It has a lot of vitamins. So. This is what I'm doing now. I'm almost done with the juice. You don't need to add no honey, no sugar, nothing. Just the juice. Do not add water. If you don't have a juice, it's okay. But what I'm gonna do now, this is my yucca. I'm gonna boil the yucca with some sweet plantain. And I'm gonna make some chicken liver. Yes, chicken liver. I have the beef liver on my channel. I think it was on... I didn't have any voiceover. It just I was just typing stuff in English, but now I'm having this in Creole. So this is chicken liver. I'm gonna wash it with vinegar, lime and lemon. So with some salt, and then I'm gonna boil some water once everything is clean, and then that's my apis, Haitian apis. So after that, I'm gonna rinse it and then add my boiling water, and then. You know, like, yeah, I'm gonna see how I'm gonna do it. So, somebody fell asleep on four pool. Oui. So, koto ye ou ka pa jeni, but n'importe fwa ou jeni ou ka fell. So, somebody fell a met on tit lo, on bo citron on at lo. Mwen mette sou di fila pendant ke ma poil nettoye fwa mna avec yon ti vinaigre, yon ti sel, et puis yon ti citron. So, kon a fin pou nettoye le mkoulel, et puis vide de lo chou a citron, mwen mette sou di fila la dan. Right now, guys, I'm adding the hot boiling water that I add the lime in it. So I just I'm gonna strain all the water, and then I'm gonna add my spice, my lime juice. You can add your favorite spice in there; it doesn't matter. But me, since I use my Haitian spice, homemade spice, so I'm gonna use it in my, which is really good. If you don't know how to make that, I have a video that I'm gonna have on my channel. I think I have one in my channel, but it's not in it was just, it doesn't have any voiceover in it. So now I think I'm gonna make one so you guys can have and list all the recipe in the bottom so you guys can see how I make it and
have the recipe at the same time. This is a really good spice. Once you add it to your meat, your stew, and anything, you don't have to add anything if you want to, but the spice have everything. You use garlic, parsley, thyme, onions, shallot, like everything in there, celery. You don't have to add anything. Once you add that spice, you're good to go. So now I have garlic, I have onions, I have carrot. The carrot is gonna have, I'm gonna make it, as I said before, like my watercress salad with some carrot and onions. I'm gonna add it to the side. Tout ça, carotte là avec zoyon, ma poignée pe nan zoyon mette nan manje un bout de carotte là, parle nan cresson, ma fè à côté, you know, ta konti salade cresson, so, ma fè li a pa. Pou nan la ma mette, I had onion powder, garlic powder, some salt, I have black pepper, and I'm gonna add my homemade spice right now, homemade seasoning, however you wanna call it, homemade spice, homemade seasoning. So make sure que tout épice bon acide entre là-dedans, et si pas de tapis tout ta goûte le manquer acide pour casser le poisson bois citron là-dedans, casser le mettre acide bon pas faire le temps qu'on mette trop acide pour non pas trop aussi comme ça. Nan, mwen mette pen mwen chou. Mwen te get an mette an bay mwen yo bouyi, mwen yo klan vek banan. Mwen te den an bouyi. So, tout mwen konen ki jan pou yo bouyi yon bagay. So, mwen pat bezan pou kote the whole thing. So, guys, I already add my hiroka in my sweet plantain cooking. In the meantime, I'm gonna make the chicken liver. I'm gonna chop some bell pepper, onion. I have thyme, parsley, garlic, and I have onions. Couteau qui pi filé, mba weli, so. Ma pizza. J'ai obligé, faut que tu capes la vidéo, tu m'ouvres une nouvelle porte, j'en ai fait bruit, so. M'ba de voir, pas être là-dedans. Se kounya, ça c'est tout le bagaille, m'a voulu acheter la mouge de persil, piment, zonyon, et qui mouge de carotte, là, m'a dit, ça n'a pas le fait avec encore. So, kounya la, mèch jè an chose du fè an. Mè pral mette yon ti l'huile d'olive la dan tout petit. Right now, I'm adding my olive oil in my pan. And then, after that, I'm gonna add my chicken liver. Mette ti l'huile nan la yon fini, mè pral mette fwa pou lan. Pa manje an trop l'huile, mes amis. Se chwa pou o gom moun la kayou bot mwen mèm. Bah manger un peu, même si c'est l'huile vraiment pure, l'huile d'olive là moi use, moi pas manger un peu l'huile. Ça va faire pour belle petite couleur là, m'a bien bagarré, m'a le couvrir pour faire un petit cuit, et puis fois pour pas prendre le temps pour le cuit. Between lui qui prend 15 à 18 minutes pour le coup. Ça so, pas besoin mettre le cuit pour la belle bouillie, OK. So guys, chicken liver doesn't take a lot of time to cook. You can just it will be cooking like between 15 to 18 minutes. You don't have to let it cook for the whole day. Like when you boil like a hard beans or dry beans, you know. Between 15 and 18 minutes, they should be done. Right now I have bell pepper, onions, parsley, garlic, and all my spice. I think I have here parsley, dry parsley, salt. I have onion powder, garlic powder, and I have a little bit of dry parsley. I think I said that before. And I have my sazon spice in the back. As I told you guys before, I did not add my watercress in my juice because I was gonna make a little side salad with it. I'm adding some carrots and onions in there. I'm gonna use it as a side dish for my meal. Okay. Sa mte di nou ki fè mwen pat mette kreson nan ji mwen ta prepare pou moun ki anemia. Mwen te a fè yon salad avek kreson apito. So mwen se prepare la mwen mette kreson, mwen bien lavel epi. Mes amis,
N'a pas lavé Christon, s'il vous plaît, ouvrez de l'eau, lavez-le. Jetez le n'importe trois fois. Et puis, ouvrez de l'eau, prigez citron, mettez un petit bacon, un petit bicarbonate, mettez un petit vinaigre, quittez le trap, et puis, n'a pas causé. OK? So, qu'on est Christon bien nettoyé, bien propre. Guys, when you prepare your watercress, you have to wash it three times and get a bowl of water, add vinegar, add like a teaspoon of baking soda, and squeeze one lime and let it sit. You tell me, okay? After that, you rinse it. You know, you can make your salad, eat it, make your juice, whatever you want with, but don't just rinse it and then it's good. No. Parce que ce gros paquet de tibla gata kouti calma son là-dedans. Par contre, qui ça, il a gagné parce qu'il fait non de l'eau, so de l'eau automatiquement, naturellement de l'eau qui est bio. So, c'est pas laver comme ça. Moi, j'ai mon bagay, ok? C'est un prix, fais ça. Et puis là, on fait le trois points. Trois points, ça me dit là. So, comment il y a, mettons un petit ragout parce que maman, il y a pas de tomate qui est dans le Kenya. Right, guys, I'm adding a little bit, a tablespoon of ragout because I don't eat the tomato paste, the one in the can. I'm adding all my spice, the garlic powder, onions, parsley flakes, everything. I cook for a little bit, and I did taste it. This is a little bit of acid, so I did add a lime in there again. So, kounya la, sa ti le kita pou bel ti kou le moun bezwen. Guys, I want it to get a nice color, like a little brown, golden color. So that's why I let it cook like that way. But it's up to you if you don't want that. I'm just squeeze the lime juice in there. Ça c'est banane de gétambouille. Passez banane dans un banane qui half me. Mais obligé de mettre là tout point parce que je vais le craser dans de l'eau en barrière pour ça pour te bouillir ferme. So the reason why I left the skin on my plantain because my plantain was kind of like ready, like sweet, ready. So I didn't want it to be saggy in the water. So I did add it. I left the skin on it. So what I'm doing now, I'm gonna show how to do that when you burn a plantain with the skin. Have to remove because the plantain have another layer on it. So you have to get the plantain, let it cool down. Don't be like me taking it hot. Because like knife, I deal with that. I've been cooking since I was 7. So you see, it's very hot and it doesn't matter to me. Like I can hold it. So you get a knife and, you know, kind of like clean it a little bit. So when I'm cutting it, I'm going to get a gun. So I'm going to get a gun. So, c'est pas des problèmes là pour caler, pour gratter le bon créole, pour le vin bien belle, bouille bien jaune, ou elle pas changer couleur, t'es bougé un citron, toujours mettre un petit citron dans de l'eau, yam, n'est pas de vivre bouillant, pour pas vin noir. So, moi j'ai presque bon tout là, so, il est presque bon. Ça c'est, quoi c'est, moi t'es pour mettre les oignons là-dedans. Right now, guys, the food is almost ready. The only thing I have left to add is my onions. Because I don't eat, I don't want the onion to be saggy. I'm adding 1 cup of water to make a little sauce. So, what I did, once I add my onions, I just turn off the stove because I don't want my onion to be saggy. Let me make this one. Moi just mais tellement étendu fait moi me couvrir et puis chaleur enfin quickly so moi par mesure moi trop cuit. So when I add the onion, guys, I just add the onions, turn off the stove and cover it, let the steam cook it, and that's it. If you want it saggy or you want it well cooked, it's okay. But me, I love my crunchy. Guys, there you go, there you have it. That's the meat. I mean, that's the meal. That's the meal. I'm thinking about the liver chicken. I want it so bad. So, mais manger à mes amis, pour faire ça ma mission le matin, le petit jour off, il est là avant, you know, il n'est pas dans le pressé pour la prendre breakfast le matin, il est le jour off. So, mes amis, toujours dit, ça prend soin, yo, travail dit, you know. So, m'aller, n'a pas une autre vidéo, faire récipient, bye bye, guys.